Et bah c'est parti avec Tia sur Radio Pulsar dans Scrognenu. Sur Radio Pulsar 95.9. Et là, c'est Tahir qui parle. Au début, c'était Philippe. Après, c'était Lise. Après, c'était Chloé. Et maintenant, c'est Tahir. C'est chacun son tour. Tia, vous venez de Tours, je crois. Oui. Votre groupe existe depuis combien de temps? Depuis 2 ans, à peu près. Depuis 2 ans. Et vous jouez surtout à Tours ou un peu à Poitiers ou... Je joue un peu partout, en fait. Là où. On essaye. Ouais.
Ok. Et quelles sont vos influences? Comment vous définissez un peu votre style et tout? Je vois qu'il y a du violon, des guitares. Comment vous avez réussi à faire ce mélange un peu? Alors, par où commencer? En fait, on a tous des influences très diverses et variées. On sort tous d'une école de musique. Non, peut-être pas toi, William. Oui, si. Ouais, si, on peut le dire. Ouais. Bon, oui. donc voilà, ouais, je sais pas, est-ce qu'il faut mentionner qu'on est tous profs? Ouais, on est tous profs. Prof de musique? Oui. Ah, d'accord. Et sinon, au niveau des influences, voilà, on a tous vraiment des influences très diverses, quoi. Je sais pas, on pourrait peut-être parler de London Grammar? Oui, par exemple. Mais Seal aussi. Ouais. Enfin, c'est vraiment très, très éclectique. Voilà, on peut parler de Dire Straits aussi. En ce qui me concerne, en ce qui concerne aussi un peu tous les autres, je pense. On parlait de Patrick Sébastien aussi. Ok, et peut-être une dernière question. Comment ça se passe la composition dans votre groupe? Est-ce que les parties musicales, ça vient d'une personne? Ça vient un peu de tout le monde? Franchement, ça dépend complètement des compositions, en fait. Il y a certaines chansons, c'est Cédric qui les écrit avec les thèmes, toutes les grilles, etc. On en a une autre, par exemple, c'est le bassiste qui a tout fait. Après, je trouve certaines mélodies. Des fois, c'est aussi Cédric. Donc, ça dépend vraiment. On travaille surtout en groupe. Ok, ça marche. C'est un peu notre patte, en fait. Okay. Bon, si on enlève un membre du groupe, je pense que ça sonnera plus pareil, quoi. Ça sonnera autrement, en tout cas. Ça marche. Peut-être mieux, peut-être moins bien, mais différent. donc plus pareil, quoi. Ok. Peut-être vous allez nous faire un deuxième morceau. Tout à fait. Ouais, qui s'appelle Redemption et qui est sur l'EP 73. On vous écoute. Cinquième morceau du disque. Be your redemption. You need me as much.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pulsar dans l'émission Scrogne Nu avec notre troisième invité pour ce soir, le groupe TIAA. Alors je ne sais pas si TIAA ou TIA, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas du tout d'ailleurs si mes jeunes acolytes d'un soir vous ont posé la question, mais que signifie cet acronyme ? Ah là, on va laisser la chanteuse répondre. Oui. Bon, en fait, c'est le nom d'une reine égyptienne qui a été tellement importante qu'elle était presque plus importante que le pharaon. Oui. Donc après, faut pas croire que je prends la grosse tête. D'accord, oui. Ouais. Rien de tellement important. Ah, oui. Alors faites attention parce que généralement les scribes dans les anciens temps, les scribes étaient enterrés avec le pharaon lors du décès. Donc faites très attention, les gars. Voilà. Donc voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Théa, est-ce que vous êtes prêt pour un autre morceau ? Oui. Oui. Tout super. À fait. Allez, on vous écoute en direct depuis Radio Pulsar. Ce qu'on y a. I wish I could be that.
Groit Peter. I just cannot remember. Brothers and sisters, I left to their father. I must try to remember. I wish I could be that eternally happy. Toujours en live dans l'émission Scrognonieux sur Radio Pulsar, sous un flot d'applaudissements amplement mérité, quoique il mériterait d'être justement lui-même amplifié. Voilà. Voilà, donc avec ce morceau qui s'appelle comment, là d'ailleurs ? Eternally Happy. Eternally Happy, éternellement heureux, c'est d'ailleurs ce que on peut souhaiter à tout un chacun, et en particulier aux auditrices et aux auditeurs de Radio Pulsar. Le reste de l'humanité se démerdera par lui-même, mais par contre, évidemment, pour les privilégiés, les heureux privilégiés de Radio Pulsar, on peut dire que là, vous nous avez comblés. Est-ce que vous êtes prêts pour un quatrième et dernier morceau ? Tout à fait. Tiens, formidable. Allez, on vous écoute. Juste le temps que je m'accorde. Ah, c'est très important. Cette chaleur. Ah, c'est sûr. Alors je peux dire peut-être que le titre qu'on va faire là, c'est le titre de l'EP. D'accord. Voilà. Qui s'appelle 73. Exactement, Till I'm 73. Ah, c'est très bien, ça, c'est très bien. Voilà. J'ai bientôt fini. Long, long moment d'attente avant de s'élancer. C'est toujours comme ça. Ben oui. Ouais, je suis un peu long au démarrage. Ah, c'est guitariste. mais après, une fois lancé, c'est bon. Hein. Tout va bien. Eh ben oui. We'll be right back.
spirit's grown cold. I want you beside me till I'm 73. Till I'm 73. See you.